Encore une fois, moi dis bonsoir à toutes frères et sœurs qui sous-groupe Jésus 100% la vie. Monde qui a un mandat pour présenter le rubrique là, c'est serviteur nous, Rio Ronald Michel. Sujet nous, c'est le plan rédempteur des dieux. Et là, on a tout gardé. Est-ce que la question de sauver net là, est-ce que c'est une expression que tout le monde doit continuer à utiliser? Ou du moins, est-ce que c'est ça la Bible dit réellement? Nous pourrons regarder ça à travers des passages bibliques. Le plan rédempteur des dieux. Avant, nous pourrons faire une différence entre rédemption et salut. La signification du mot rédemption. Les mots salut et rédemption sont très semblables. Et il n'est pas facile pour saisir la différence là entre deux mots. Ces deux mots qui sont très importants pour les croyants, mais qui gagnent une petite différence dans la signification. Yo. Le mot salut, c'est le mot qui est plus populaire des deux mots. Et il y a un sens général. Et il y a l'idée d'être sauvé d'un danger possible. Mais pour les chrétiens, ça signifie qu'à cause du péché, l'homme est en danger de mort et de châtiment éternel. Nous sommes capables de lire dans Proverbe, en fait, nous sommes capables de lire dans Romains 3, verset 23, qui dit, Romains 3, verset 23, qui dit comme ça, Romains 3, verset 23, nous va excuser parce que voici notre guette à aller. Il dit que, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous, que, et ça c'est, nous sommes parlé de mot salé, qu'on a parlé le mot rédemption. Le mot rédemption, lui-même, lui signifie salut, mais il signifie aussi quelque chose de plus spécifique. Lui parler de façon et des moyens par lesquels salut est capable d'obtenir. Et lui référer aussi au prix et au paiement de la rançon pour ce salut. Nous connaissons que l'idée de prix et de paiement de la rançon sale était faite par le sang de Jésus-Christ. Côté que bon Dieu lui-même, dans amont, il gagne pour l'humanité, pour le monde, pour l'homme, et bien l'État pour le voir, petit lien vient de mourir comme. L'État pour vient de mourir pour nous, pour pécher nous. Yo. Et l'homme tomba dans le péché en désobéissant à la loi de Dieu. L'homme n'a pas très connaître bon Dieu qui t'a établi des lois. Eh bien, résultat, hein, c'était que l'homme était venu perdu, communion li te gen avec Dieu. Eh bien, volonté bon Dieu et but éternel, eh bien, c'était ramener l'homme en communion avec lui et avec lui-même. Et pour cela, il était choisi de racheter l'homme par le moyen du sacrifice de son propre fils, Jésus-Christ, qui nous sommes mentionnés tout à l'heure. Et le verset le plus connu, c'est Jean 3, verset 16. Eh bien, les pécheurs, étant tenus captifs dans la servitude du péché, doivent reconnaître le plan rédempteur des dieux. Nous-mêmes, étant donné nous sommes pécheurs, ok, nous sommes perdus. Après désobéissance nous-mêmes, désobéissance pour mes parents nous, et que virus péché ça, virus là qui s'est péché, l'itapral incorporé dans nous-mêmes. Mais Dieu, dans son grand amour, et avec son plan de rédemption, eh bien, Kounyala, si Jésus était venu mourir pour nous, pour pécher nous, il était accepté de sacrifier la ville pour nous. Est-ce que nous sommes capables de dire que l'homme, est-ce que nous sommes capables de dire sauver net?
Et nous-mêmes, les hommes, en pire chrétien de nos jours, il y a toujours répété mot ça. Est-ce que le plan rédempteur de Jésus, de Dieu, c'est un plan qui est d'accord pour tout le monde, comme si une fois qu'on accepte Jésus, ou sauve, sauver net? Eh bien, nous allons regarder. Il y a ce qu'on appelle la prédestination. La prédestination, ce n'est pas un facteur qui détermine le monde qui va le sauver. Le salut, c'est un don de Dieu. Mais il y a des conditions pour capable arriver et sauver. Il y a des conditions capables d'arriver pour sauver. Laisse-nous garder, mais avant d'aller plus loin, il y a des théologiens, tant que Jean Calvin, qui parlaient de prédestination. Prédestination, c'est un concept théologique qui est basé, côté que vous dites, depuis que vous acceptez Jésus ou acceptez le net, et que peu importe où tu es capable de vivre, faire péché, c'est comme si péché ça, il n'y a pas qu'un péché ou pas arriver à gagner le salut. Eh bien, la logique que moun kap dit que sauver net là, eh bien, la Bible, lui-même, l'éclaire. C'est vrai, Dieu te gagne un plan pour nous pour te sauver l'humanité à cause de péché nous yon. Mais il n'est pas dit tout sauf fin accepter Jésus ou continuer à vivre dans le péché. Cela veut dire que ou même ou ka continuer vivre, j'en voulais vivre là. Non. Et nous parlons, là nous lisons Romains 6, verset 23. La Bible déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pas capable parler pour nous dire que nous sauver net. Mais si vous sauvez, ou continuez à pécher, ou continuez à faire ça qui n'est pas dans la volonté de bon Dieu, eh bien, la Bible déclare clairement que salaire du péché, eh bien, c'est la mort. Ou ap travay, le monde ou trouve dans une institution commerciale qu'on travaille, chaque mois, ou toujours bon salaire. Bon salaire en fonction de travail ou eh bien sous péché, eh bien paiement ou rançon parlant, salaire parlant, li pa l'autre que l'autre bagaille, li pa l'autre bagaille, c'est la mort. Mais yon moun qui rive gen la vie éternelle, eh bien ça son don gratuit de Dieu et don ça on va l'hériter. On va le jeûner c'est à partir du sacrifice de Jésus-Christ. Une fois qu'on fin accepter Jésus comme sauveur personnel ou comme sauveur et maître ou comme sauveur personnel ou eh bien ou doit c'est un processus qui continue son processus continu qui mène vers le royaume des cieux, vers le paradis céleste. Mais si au cours de route ou tomber ou continuer à terre ou dit bon rester là plutôt ou rester, eh bien trompette la qui est en sonné, le retour du Christ qui est en fait, eh bien mon cher, ma chère, ou dehors, c'est-à-dire que ou dehors ciel là ou dehors. Alors, logique qui dit chrétien sauvé net, Romains 6, verset 23, l'éclair sous ça. Et bon Dieu tellement aimé l'homme, eh bien, il t'a pas voué Jésus-Christ, vienne mourir. C'est ça que le plan rédempteur de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que, une fois qu'il a accepté Jésus, ou tout sauvé. Non, il y a un cheminement, il y a un processus. Ou doit suivre jusqu'à le retour de Christ. Lorsque Romains 6, verset 23 précise que la vie éternelle est un don de Dieu, eh bien, il voulait parler de salut. Et salut, ça, c'est un don de Dieu à l'humanité. Et donc, ça, la vie éternelle, ça, il peut être possible grâce à Christ et en Christ. Mais si on dit que on fait accepter Jésus ou sauver net, eh bien mon frère, ma soeur, on a menti à tête. Parce que la Bible statue clairement, parce que accepter Jésus-Christ, suivre et comme sauveur personnel, cela veut dire que c'est suivre Jésus chaque jour levé. Et c'est un parcours, c'est un processus qui est ensemble de mécanismes pour continuer à rester là-dedans. Mais si au cours de la route ou décider abandonner et puis le retour de Jésus-Christ qui est en fait, eh bien mon cher, ma chère, ou dehors. Dans acte 4 verset 12, la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Li clair, parce que pas gain l'autre côté que je ne salue, mais c'est en Christ. Et lorsque je ne salue ça en Christ, ou doit continuer à suivre le processus-là jusqu'à le retour de Christ. Le salut étant un don qui n'est accordé par Dieu que par Jésus-Christ. C'est reste logique que le sort de chaque être humain ait été prédéterminé par Dieu. Cela voudrait dire que les millions de personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ ne pourraient être sauvées. D'après ce qu'on nous dit, une fois mort, tous ces êtres seraient perdus à jamais. Est-ce possible? Est-ce que Dieu a prédéterminé? A-t-il prévu que certains soient sauvés et la majorité perdue à jamais? Nous avons un ensemble de questions qui posaient. Est-ce que là nous parler de la prédestination? Est-ce que bon Dieu a une catégorie de monde depuis d'avance qui est en sauvé? Est-ce qu'il y a une catégorie de monde depuis d'avance qui est en perdu? Alors si nous entrons dans la logique que sauvé net là, eh bien il y a un monde qui pas accepté Jésus tout, eh bien monde ça pas le péri. Et si monde ça pas déjà entendu la parole, qui j'aime te ca faire repentir, en fait qui j'aime monde ça te ca faire sauver après. Je pense que la logique que la prédestination en fait sauver net là, l'inscrit dans la logique de prédestination côté que j'aimerais sort mentionner tout à l'heure il y a un auteur tant que Jean Calvin. Une fois que ou accepté Jésus, en fait prédestination c'est une fois que ou accepté Jésus ou tout sauvé. Ou te mettre péché à gauche à droite, cela veut dire que ou pas gain pour aller dans l'enfer et gien catégorie de monde tout qui gien temps qualifié pour y aller dans le ciel et gien catégorie qui qualifié tout pour aller dans l'enfer. Et bien mes chers amis, et logique prédestination li lié à question de sauver net et que moi même t'es capable de dire et d'après la Bible, c'est une expression qui est tout à fait erronée. Si bon Dieu te voulait pour tout le monde te péri, pour que toute l'humanité tout entière péri, eh bien, il n'est pas t'a voyé Jésus-Christ vienne mourir pour nous. Il n'est pas t'a voyé Jésus vienne mourir pour nous. Qui donc, bon groupe monde qui t'a été sauvé, bon groupe monde qui t'a été sélectionné, il dit bon groupe monde ça va aller dans le ciel et bon l'autre groupe tout il va aller dans l'enfer. Mais non, avec le plan rédempteur de Dieu, eh bien, donnement va le changer. Jésus va venir mourir et une fois que sacrifice est fait, qu'on y a là, il va distribuer des missions et il va prêcher, il va évangéliser le monde. Et nous te voyons comment la Bible dit que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Si là où qui va croire, il va baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous te voyons, jusqu'à présent nous-mêmes les chrétiens, c'est ça n'a fait. Nous là pour nous parler parole là. Mais si c'est pas le cas, eh bien Jésus pas bon Dieu pas t'a voyer Jésus vient mourir pour nous. Eh bien nous-mêmes moi-même avocat qui là qui en vie qui gagne accès à la parole, nous pas t'a gagner. Jodian le don divin du salut n'est pas offert à quelques monde. D'après la Bible, parole là pour prêcher, parole là pour évangéliser, pour prêcher et tout le monde doit ça qui pour tendre attendre, ça qui pour pas attendre. Yo pap tande, mais li clair. Bon Dieu fait appel à tout le monde, à la compréhension de tout ça qui est nécessaire pour recevoir le salut. Mais li pare li pa dit que yon groupe moun ki doit sauver, yon groupe moun ki pou le sauver. Et moi toujours dit que la parole de Dieu c'est un couillon. Et c'est un coup des notes qui ont professeur à bail et que étudiant qui étudie bien, qui travaille bien, il a réussi. Si là qui pas travaille bien, il a réussi. Ça me le dit pas là. Parole là, il parler à travers les radios, à travers les télévisions, dans l'église tout côté, sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, il y a monde qui fait la sous d'oreille. Il y a monde qui pas l'étendre. Mais ou même qui gagne mission, qui gagne don comme docteur, qui gagne don comme apôtre, qui gagne don comme évangéliste, ou doit continuer à faire travail. Parce que c'est don ça, bon Dieu, bon, ou son dame missionnaire, ou c'est un homme missionnaire, ou doit aller un peu partout,
tant sur le plan national, tant sur le plan international, pour divulguer, pour capable annoncer parole là. Sûrement, il y a des gens qui n'en fait noir, il y a des gens qui besoin d'entendre la parole, et il y a des gens qui soif la parole, mais côté eux, ils n'ont pas à joindre. Et si vous avez joindre un monde qui dit, eh bien, il y a quitté ça, il y a quitté et mondioté là-dedans, puis vous venez joindre monde chrétien. Frère Msem, on nous continue à servir bon Dieu pendant notre vivre là. C'est pas l'en mourir n'a fait, l'en mourir nous pas connait rien, mais pendant on vient, pendant on gagne chance là. Si vous te connait faire des choses qui illégal devant Dieu, moi conseille repentir. Pas rentrer tout dans logique qui dit que sauver net là. Pas rentrer dans logique de la prédestination selon Jean Calvin. Pour sauver, ça mande un parcours, ça mande son processus. Son processus et ou doit continuer servir bon Dieu, Jean qui lui mandé là. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et 4, il dit ça, bon Dieu voulait pour nous, c'est sanctification. Non. C'est que nous abstenons. Ça, bon Dieu demande pour nous, c'est sanctification. Non. C'est pour nous abstenir, c'est-à-dire que c'est pour nous voir loin, nous voir jeter loin, nous. Toutes sortes d'impudicité, toutes sortes de péchés qui sont capables de faire nous perdre union avec bon Dieu. Et le diable, il est là pour taquiner nous jusqu'à la porte du ciel. Qui donc, ou pas qu'à dire ou à rentrer dans le processus qu'une fois qu'on accepte Jésus, sauver net. Le diable a travaillé chaque jour. Il connaît le gain d'un condamné. Il connaît que il peut passer une éternité dans l'enfer. Mais lui-même, il a besoin des acolytes, il a besoin des disciples, il a besoin des hommes, des femmes qui pourront accompagner. Il a besoin des adeptes qui pourront accompagner. Mais ou même qui gagne flambeau, c'est qui gagne flambeau dans main. Continue Kimbel jusqu'à le retour de Christ. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu rete avec nous et c'est la rubrique là prend fin. Nous va excuser tout si nous avons coupure dans rubrique là parce qu'à chaque fois mon message aller, les gars t'chapper en bas même. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu rete avec nous. Pas oublier rubrique basée sur le plan rédempteur de Dieu.